Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale chasse de Pokémon Go. Donc là je vous fais une intro un peu différente de d'habitude parce que tout simplement j'ai pas ma caméra et il faut que je vous sorte cette vidéo aujourd'hui. Donc on se la fait à l'ancienne. Alors dans cette vidéo vous aurez une petite chasse, deux petits raids vite fait que j'ai bien coupé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti. Alors, nous sommes le deuxième jour, donc le dimanche. Donc je vais avoir mon... je suis désolé, par contre, il n'y a pas de lumière. Et... non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Faut que je vous montre un truc. Juste après ce Spwink, que j'adore. Je suis fan du Spwink. Je trouve que son mouvement est vraiment génial. Il a un double saut là, c'est vraiment super bien fait. Donc là je suis ma série de 7 jours. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en temps venteux. Et il y a des types dragons. Alors là je suis sorti direct. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez vu, ils mettent une petite alerte pour mettre en garde les gens de faire attention quand même, parce qu'il y a quand même une petite alerte météo qui arrive, on a un gros vent qui arrive. Mais j'espère qu'on va trouver des dragons là. Mais déjà, vous avez vu ça? Arcanin là? Waouh, faut que j'aille le chercher celui-là. Regardez-moi ça, comment il est énorme! Un arcanin sauvage! Wow, mais il est énorme. Je sais pas si j'ai déjà attrapé. Je sais même pas si j'ai un arcanin aussi balèche dans mon bestiaire. Attends, je chope du premier coup en plus. Retenu toute mon attention. Il est plutôt moyen, mais franchement... Et regardez ça, on a un spectrum. On est refait dans cette vidéo. Ça bug complètement, là. Magnifique. On a un Abra. Ah, pourquoi on les a ceux-là? Vent. Psy. Ah, le côté psy, d'accord. Bah écoutez, c'est super. Magnifique. Et je vais le tenter celui-là, c'est parce que. Vous avez vu, ils sont multipliés. C'est des gros levels qu'on chope. Alors par contre, score plein, bon bah ils auraient pu éviter. Hein. Voilà, on s'en serait passé du score plein. Ce qu'on veut, c'est du vrai dragon. Alors malheureusement, sur la tablette à Dengar, l'arcanin avait des pop. Il y avait un gros bug, un gros blanc de réseau. Bon, c'est pas très grave. Moi, là, ils auraient pris ce petit score plein. Bon, je ne prends toujours pas le... Bon, il n'y a pas de gros truc. Moi, je voudrais du mini Draco, des choses comme ça. Quoi. Dracolos. Allez, on va prendre ce Roselia. Qu'on voit assez régulièrement, quand même. Celui-ci est à plus de 1000 PC. Oula. Il a sauté au mauvais moment. Une petite baie parce qu'elle a l'air bien énervée. Ah bah c'est pris. Impeccable. Allez, encore quelques belles bestioles, Skull & Nox, pas shiny. Oh là là,
Je désespère d'avoir Shiny là. Très compliqué. Franchement, ce matin, on tape. Là, on a un Kéminus. Je n'ai toujours pas trouvé le Pokémon haut de la 3G. Je crois que c'est un des derniers, si ce n'est le dernier qui me manque. Bon, sans compter bien sûr les évolutions, hein, mais sur les Pokémon de base, je pense que c'est un des derniers qui me manque. Alors le Goopix, j'en vois énormément depuis qu'il y a ce système de météo. Donc c'est plutôt cool parce qu'on n'en voyait pas du tout avant. Bon, même si l'évolution de Goopix, c'est pas non plus. Il est très, très joli, hein, il est magnifique avec ses ailes, là, enfin son sa queue énorme. Mais voilà, ça s'arrête là. Ok, super. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. Ah, on est passé en temps nuageux. En temps couvert. Ah, j'aime pas ça, là. Parce que là, ça va être Mélo, Féron, Doudou. Bon, bah, j'ai pas vu de dragon. Hein. Dommage. J'ai pas vu de mini Draco, des choses comme ça. En 9 et 1 million. Putain, j'étais le premier sur Rennes depuis l'été dernier. Hein. Ouais, mais pour te rassurer, je suis pas de Rennes, donc ça va. Je suis pas de Rennes. Tac immédiate, il est tac immédiate. Pardon, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit bonjour, au revoir du coup. Salut les gars, salut. Allez. Bon. Allez, on se retrouve pour la capture. Après une longue pause pour essayer d'attraper pour les autres. Allez. Allez. Moi, je suis très pressé en fait. Je pense que je vais le faire à l'arrache. Téléphone qui me lise les mains. Allez, on l'attrape. Putain. Excellent. 2/2 sur la doublette avec œuf. Donc là, on va se faire un Reptacel parce qu'il n'y avait que ça ce soir. Donc ben voilà quoi. Fait que ce qu'on a, malheureusement, avec ces nouvelles horaires là. Quand je rentre du travail, eh ben, y a plus rien. Donc vous voyez, on n'a plus la charge là-haut. Ah, j'ai des erreurs de réseau là-bas. Ok, super. On n'a plus la charge, donc voilà, on a un bouton en bas, vous voyez. Ok. Bon, j'ai un compte qui a eu des erreurs de réseau, c'est pas bien grave. Donc interface un peu plus simple. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc là on a 14 balles pour l'attraper. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Alors, on va juste lui mettre. Je sais même pas si je vais lui mettre des. Je vais peut-être lui mettre des baies frambi quand même. Malgré que j'en ai pas beaucoup. Ok. D'accord. On va persister sur la baie Franmi. Hein.
c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Oh là là. Vous allez voir qu'on va pas réussir à l'avoir. Hein. Moi je suis en rade en plus de Beframby, de Beframby tout court, ouais, parce que j'essaye de monter des arènes qui sont très très isolées. Et donc le meilleur moyen pendant que je les tiens encore, c'est de. Et eh ben c'est de mettre de nourrir les Pokémon à l'intérieur à distance. Même. Oh. Même une super Beframby dorée n'en veut pas. Un super curvé. Bon, super curvé, on l'a eu quand même. Bon voilà. Donc c'est bien, ça nous a permis de voir cette petite interface. Cette nouvelle interface de combat. On vient de défendre cette petite arène au passage. Elle était en train d'être attaquée par des flyers. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont. Moi qu'ils ont arrêté. Ils ont été découragés. Ça se décourage vite un flyer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.